Faut vraiment attendre qu'il se casse et que le garde s'envaille. S'envaille. Bien joué, yo-yo. Avoir le bac de français, c'est plutôt bien. S'en aille. N'y pense plus, Tommy. Ça arrive à tout le monde. Vincenzo et moi, on a mijoté un nouveau plan. Biff sait que Sergio a une poule et qu'il passe pas mal de temps avec. Il doit y être aujourd'hui. Vincenzo lui a préparé une petite surprise. Tout ce que t'as à faire, c'est de la poser sous sa bagnole pendant qu'il s'éclate chez elle. Ouais, t'as juste à poser la bombe sous sa bagnole. Après, tu pourras admirer le spectacle. Sergio se tire vers 4 heures, traîne pas. Ce coup-ci, faut que ça marche. Sa poule crèche dans une baraque d'Oakwood. Tu sauras qu'il est là si sa petite bagnole de sport est garée devant. Colle la bombe dessous. Ça va faire un joli boucan, j'y vais. Et salut tout le monde, c'est You. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 25e épisode de notre Let's Play sur Mafia. Alors, il est vrai que lundi, j'ai pas pu vous en parler parce que l'épisode de Mafia de lundi, il a été tourné il y a plus d'un mois, il a été tourné il y a très très longtemps. Mais je suis vraiment désolé pour l'attente qu'il y a eu. Il est vrai que quand on est en terminale, c'est assez chaud de respecter ses horaires, tout ça, étant donné qu'on a le bac à passer, tout ça. Mais maintenant, nous sommes en vacances. Enfin, moi, je suis en vacances. Donc, du coup, on va pouvoir reprendre les let's play au meilleur de leur niveau, plus des vidéos qui vont arriver. Je vais pas vous en dire énormément à ce propos. Mais il va y avoir... Ah merde, j'ai pas pris les explosifs. Mais il va y avoir plusieurs vidéos sur la chaîne très prochainement. Beaucoup de Minecraft. Je peux pas fermer ma porte. D'accord. Touk. On récupère. Alors cette vidéo, je vais pas vous mentir, c'est la troisième fois que je la filme. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que mon frappe se foutait de ma gueule. Non, mon frappe a beaucoup déconné. J'espère que ça va être bon. Merde, j'espère que ça va être bon pour cette fois-ci. Mais mon frappe a beaucoup déconné, c'est-à-dire que je tournais normalement. N'importe quoi lui. Je tournais normalement mes vidéos jusqu'au moment où le Fraps commençait à déconner et qui se mettait à tourner à 5 FPS. Et du coup, c'était injouable. Yeah! On va essayer de conduire. C'était injouable. C'est très compliqué pour moi. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé un autre logiciel de capture qui n'a pas marché, qui n'était pas optimal. Et j'ai fait la réinstallation de Fraps. Donc j'espère que cette fois-ci, ce sera bon. On va voir si ça remarche. J'espère bien parce que... Bah ce serait con. C'était mon seul moyen de filmer. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi. Normalement, mercredi, c'est le premier jour des épreuves du bac, il me semble. Donc bonne chance à tous. Moi aussi, normalement, au moment où cette vidéo sort, je suis en pleine épreuve. Normalement, ça devrait bien se passer pour moi. J'espère que ça va bien se passer pour vous aussi. Alors la mission, on va faire un petit rappel de la mission, même si vous avez revu la cinématique. Nous devions tuer Sergio, comme la dernière mission, si c'est Sergio il me semble, oui. Et donc du coup, ben, nous allons devoir aller, donc la première fois ça avait échoué parce que Sergio n'était pas là et Polly a tué la mauvaise personne, au restaurant. Et là nous allons aller à la maison... de la copine, je sais pas si c'est la maison de la copine de Sergio ou quoi, mais Sergio a un rendez-vous avec sa copine, donc du coup, il y a sa voiture devant, et ce que nous allons faire, c'est que nous allons foutre des explosifs dans sa voiture, pour que dès qu'il s'en aille, bah, la voiture explose, et Sergio avec. Mais on voit ça va fonctionner, c'est un plan plutôt... Ok, on va s'arrêter là. Plutôt sûr et efficace. Normalement, j'ai rien de truc en main. J'ai rien en main. On va s'arrêter, c'est pas grave. Voilà, c'est eux qui ont pas refusé là, c'est eux qui ont mal fait. Allez, verbalise-moi, j'ai pas que ça à foutre. On n'en parle plus. Mais non, ça ne se reproduira plus. Allez, c'est bon, on peut y aller. Merci, au revoir. Putain, ils sont chiants ces flics. On y retourne. En plus, c'est eux qui ont mal conduit, là, c'est pas moi. Moi, je suis un as du volant.
Faire un vrai conduire avec les touches du clavier, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment chiant et vraiment chaud. C'est vraiment super chaud. Oui, donc du coup, voilà. J'étais. J'ai pas fait de let's play pendant tout ce temps, déjà parce qu'il y a le bac qui arrivait. Et puis parce que je réfléchissais beaucoup à l'avenir de la chaîne. C'est vrai que je m'étais imposé un planning pour la chaîne qui était de 3 vidéos par semaine. Ce planning, je vais essayer de continuer à le respecter. Mais je suis en train de me poser la question est-ce que de l'arrêt des let's play? Oh merde. L'arrêt des let's play, pourquoi? Parce que le let's play c'est cool au début, franchement, le let's play vous êtes très motivé pour le faire au début, enfin moi personnellement c'est ça. Mais pour commencer de continuer, c'est chaud de le terminer. J'espère vraiment pouvoir terminer ces let's play, mais faire des let's play c'est chaud à les terminer. Et du coup j'ai réfléchi à poursuivre avec des vidéos un peu comme vous aviez vu ce dimanche, la vidéo détente avec Nitrix et Waterdumps. C'est une vidéo que j'ai pris énormément de plaisir à tourner et à faire le montage. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas partir sur ça plutôt que continuer des let's play. Surtout que là, en let's play, mon PC. Putain, mon PC commence à un peu ramer. Deuxième à. Ça fait la deuxième fois que je me fais arrêter, quoi. Surtout que mon PC commence un peu à ramer. J'ai pas envie de vous faire des let's play que de jeux rétro, non aussi. Donc du coup voilà, je pense que au moins en attendant que je change de PC, je vais faire l'arrêt des let's play. Après évidemment le Tomb Raider et Mafia, surtout que Tomb Raider est un let's play qui est très suivi. D'ailleurs je suis assez surpris par cette on va dire engouement autour de cette série. Il y a pas mal de monde qui la suit. Donc voilà, on va y aller. Par contre la prochaine fois que je me fais arrêter, là je suis dans la merde, hein. Parce que là, ils veulent m'arrêter direct la prochaine fois. Donc, on va essayer de faire gaffe. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a personne qui veut tourner. On peut y aller, on peut continuer. On va faire gaffe au code de la route maintenant. Oh putain. Ah là là. C'est vrai que dans ce jeu, niveau policier, ils sont très très stricts. C'est pareil pour Mafia 2. Enfin, Mafia 2, ils sont un peu moins stricts. Mais dans ce jeu-là, ils sont beaucoup plus stricts que par exemple dans un GTA. J'ai joué à GTA 5 et dans GTA 5, en fait, il n'y a pas de limitation de vitesse. Si on grille des feux rouges, on s'en bat les couilles. Enfin, les flics sont beaucoup plus laxistes, comme ça qu'on dit dans GTA. Et les flics sont presque inexistants dans GTA, j'ai envie de dire. Et là, ce jeu fait beaucoup plus réaliste, et c'est pour ça que j'aime bien lui aussi. Même si c'est un ancien jeu, je trouve que c'est. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des premiers jeux à monde ouvert à avoir produit une qualité pareille. Il me semble bien. Il me semble bien que c'était le premier jeu à monde ouvert aussi beau, parce qu'à l'époque, il faut se rendre compte que ça, c'était un jeu super beau. Et aussi beau et aussi réussi, il a été vraiment. Il a reçu vraiment l'éloge de Voilà, beaucoup de je tends sites, un coup d'œil. de beaucoup de presse. Là, c'est la voiture, ok. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est qu'on va bien se garer. On sait jamais si jamais on doit s'échapper. Je vous avoue, je me souviens plus très bien de la mission vu que ça buguait toujours avant cette partie de la mission. Pour l'instant, mon frappe n'a pas bugué, donc c'est plutôt bien. Par contre, ce flic, il va me casser les couilles. Faut vraiment attendre qu'il se casse et que le garde s'en vaille. Bien joué, yo-yo. Avoir le bac de français, c'est plutôt bien. S'en aille. C'est bon, le flic ne devrait plus me griller maintenant. C'est lui maintenant qui va me saouler un peu. Ah, il écrase sa cigarette. Il va peut-être s'en aller. Attention, je suis discret. On attend qu'il rentre. Go. Allez, on fout la bombe. Allez, Tommy, fout la bombe et on se casse. Fout la bombe et on se casse. Nice, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Maintenant, on va admirer. Ah, cinématique. On va admirer l'explosion! Ouais! Ah, il y a une meuf qui a disparu, normal.
Dieu, non! Non! Hé! Hey, arrêtez, merde! Je vais t'arracher les tripes. Merde. Je vais te buter. Elle était vraiment chaude. Cette poule s'amène et se pose dans la bagnole. Je sais pas, il lui a peut-être prêté, va savoir. Sur des choses qui arrivent, t'y pouvais rien, Tommy. Mais maintenant, faut en finir avec cette ordure. Sergio retrouve son bouc dans le centre, sur le parking du resto Rainbow Garden. Emmène Polly là-bas pour qu'il le mitraille. Toi, tu conduis, Tom, c'est tout. Ensuite, tirez-vous avant qu'il donne l'alerte. Maintenant, je vais m'occuper de cette ordure. Et il va y passer sans même comprendre comment il sera fait avoir. Bon, allez-y maintenant, si vous voulez pas le rater. Bon, on a énormément de chance sur cette mission, vu que première tentative, on n'a pas tué le bon. Deuxième tentative, c'est sa copine qui a pris la voiture. Donc je peux vous dire que maintenant, Sergio va être vraiment en colère parce qu'on a tué sa meuf. Et on a explosé sa voiture, bordel, surtout. Non, Ah merde, bon, cette fois-ci, on va faire une dernière tentative moins en finesse. Une dernière tentative plus barbare, ouais, on va dire ça comme ça. C'est vraiment une tentative en mode on fonce, on voit ce qui se passe. Donc on va aller, il traîne sur un parking, enfin j'ai pas très bien compris où il traîne. Enfin il traîne un endroit. Et du coup ce qui va se passer c'est qu'on va y aller. Polly va sortir avec sa mitraillette et va lui tirer dessus, tout simplement. Il va le défoncer et puis on n'en parle plus. Après je sais pas si on va s'en sortir vivant, mais au moins on aura fait ce qu'on aura à faire quoi. Et Sergio sera mort. Enfin ça concrètement c'est le plan. Enfin je sais pas si on peut appeler. C'est bon ça passe. Je sais pas si on peut appeler ça un plan, mais c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va passer sur le pont. Sur le pont bateau. Le pont bateau. Est-ce que le pont va se lever? J'espère que le pont est pas levé. Les lumières clignotent pas. Les lumières clignotent pas. Le pont est pas levé. C'est parfait. Impeccable, on va pouvoir passer plus vite. Alors, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais dit que j'augmenterais la durée du temps de vidéo et qu'à la place je passerais à une demi-heure 40 minutes de vidéo, mais clairement. Encore ? Putain, mais. Mais clairement, ça va pas être possible. J'ai réfléchi et. Ça va être vraiment trop chaud, donc on va rester sur un format de 20. Vous allez venir. On va rester sur un format de 20 minutes et on va essayer de tenir cloning sur un format de 20 minutes parce que je trouve on est à la mission 15 sur 20, sachant que la mission va commencer à être vraiment très difficile, mais on approche très rapidement de la fin de ce let's play de Mafia. Donc du coup qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce let's play de Mafia vu que j'ai dit que j'arrêtais le let's play? Et bien tout simplement vous saviez il y avait deux vidéos par semaine de Mafia et une vidéo de Tomb Raider. À la place, il va y avoir deux vidéos par semaine de Mafia et le vendredi de Mafia, deux vidéos par semaine de Tomb Raider et le vendredi sera consacré à quelque chose d'autre qu'il faut que je réfléchisse. Par contre, il faut que je réfléchisse à quoi il sera consacré. Ah, j'ai cru que j'avais grillé un feu rouge. Il sera consacré peut-être à du Minecraft ou quelque chose du genre. Je sais vraiment pas encore, mais ce que je sais, c'est que il y aura pas d'autres let's play, enfin je pense pas, qui à moins que ça change d'ici là, mais qui remplacera Minecraft une fois la fin de celui-ci. Donc on va prendre un autre pont. Y a pas de flic. Ok. Encore un feu rouge grillé. J'ai rien à foutre. Mais je crois que je me suis jamais fait arrêter autant de fois par les flics que dans cet épisode en vrai. Jamais. Hop là. J'espère qu'on va pas devoir s'arrêter en plein milieu parce que là je vois qu'on est à 15 minutes de vidéo. À peu près 15 minutes. Ouais, à peu près 15 minutes. Un peu plus pour vous avec l'intro. Mais à peu près 15 minutes. Et j'espère qu'on va pas devoir s'arrêter en plein milieu de la mission et si ça m'énerverait. Surtout que je pourrais pas. Ouais, non. On va essayer de finir la mission quand même dans cette. Ou du moins cette partie de la mission. Dans cet épisode. On
On est bientôt arrivé, on a juste à conduire tout droit et nous y serons. Nous y serons. Touk, on tourne à droite. Ok. Sergio n'a pas l'air très traumatisé. Mais qu'est-ce que... Nous avons un message de Don Salieri. Mais c'est quoi ce merdier? Oh non. Eh bien, je crois que ça change un peu la donne, messieurs. Butez ce clown! Ah! Ok, bon. On m'avait dit que j'avais pas de chance, mais je pensais pas à ce point. Bon, par contre, ce serait con que je me fasse aussi buter par les flics, quoi. Aussi recherché par les flics. Par contre, j'ai pas envie de crever. Aucune! Y'a qu'une seule voiture? Pourquoi on descend pas et qu'on les bute pas? Moi je pense que c'est une bonne stratégie. J'ai quoi dans mon inventaire? Ouais, j'ai un Colt. C'est pas vraiment la meilleure des armes. Loin de là même. Ah, boum, dans votre gueule! Oh, y'a un tramway là. Vous le sentez le coup du... On vous prend le tramway dans la gueule. Et boum. Oh, oh, oh! C'était violent ce choc. Le choc le plus violent du monde. Là par contre j'espère qu'il y a un peu... Oh d'accord, ils veulent m'arrêter les flics. C'est moi ou on les a semés? Ah pas du tout. Ok. Ok, ça se prononce... Ça... Oh! Oh, je les ai baisés? Ah non. Je n'ai plus le trait rouge. Putain, ils sont encore là les salauds. Je me souviens plus s'il y a une touche pour... Pour ouais, changer de point de vue. Ah, ça c'était beau, ça par contre. Bon, par contre, j'espère que leur voiture va bientôt rendre l'âme. Pardon, monsieur. Tiens, toi, rentre dans la cabine téléphonique là. Ok, ça servait à rien. C'est moi où j'ai pété la voiture, en tout cas elle fume bien. Hein? Ah mais attends, mais ils sont sérieux là? Ils sont sérieux là? Bon du coup on va passer ça. Allez vas-y. Je sais pas si on va carrément les tuer, ce serait plutôt simple. Vas-y, police, tire leur dessus. Je suis chaud, je vais en max. Je conduis en marche arrière. Comme ça, tu les défonces. Ok, vas-y. Complètement fou. Oh, mais ça marche. C'est que ça marche en plus. Allez, Poli. La technique la plus nawak du monde. D'accord, merde. Mais on n'a pas tué le conducteur. Le seul qu'il faut tuer, on l'a pas tué. Bon, tant pis, on reprend en marche avant. Tire-lui dessus, Poli. Poli. Putain, mais il est sérieux, là, Poli? Bute-le! Bute-le! Avec cette vitesse, tu te fous de ma gueule là? Bon. Non mais sérieux, après ça, la voiture elle peut partir. Ok, bon. Tu l'es, Poli. Poli, tu l'es. Poli, tu l'es. Ah merde. Ah quelle sous-merde. Ah quelle sous-merde.
Oh merde. Oh putain. Bon, on va tenter ça dès le début. On retente une dernière fois et on essaie ça dès le début, ok? Et puis si ça marche pas, ben on arrête là. Ok. Oh merde. On se fait défoncer. Oh putain de merde. Oh putain. Oh putain, c'est impossible. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, les gens. Ah oui, petite précision. La mission qu'il y a après, juste après celle-là, est extrêmement difficile. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais déjà dit que c'était assez galère de... Que à partir de maintenant, l'émission allait être assez galère et que j'avais pas envie de vous fournir des vidéos où j'avance à rien, où on n'avance pas dans l'histoire, où on me voit juste me faire défoncer. J'avais pas envie de vous fournir ça comme vidéo, donc je pense que les prochains épisodes, je suis pas sûr que j'aurai réussi à passer à la prochaine mission lundi prochain. Donc du coup, lundi prochain, c'est pas sûr qu'il y ait un épisode de Mafia. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, parce que la mission va être extrêmement difficile. Merci les gens d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve dès vendredi pour Tomb Raider Legend, soyez au rendez-vous. Et dès lundi prochain, enfin peut-être, ce n'est pas sûr, pour la suite de Let's Play sur Mafia. Allez, ciao tout le monde.